YouTube, comment ça va les gens? Skyrun FR, j'espère que vous allez bien. Et on va pouvoir jouer à les nouvelles missions. Les nouvelles missions de Watch Dogs 2. Ah, y a pas de musique, c'est cool. Il est bien. Allez, on continue. Extra! Oui! Conditions humaines installées. Oui, c'est les nouvelles missions. Alors, je sais pas, vous voyez pas, mais c'est derrière la caméra en fait. Juste là. Et donc du coup, voilà, c'est les nouvelles missions de Watch Dogs 2, conditions humaines installées. Et j'espère qu'ils nous ont envoyé du lourd, parce que tout à l'heure, c'était la merde, Je savais pas. En fait, j'ai le season pass, bien sûr, mais je savais pas qu'il fallait installer les missions dans Uplay, Ubisoft. C'est un peu la merde, je savais pas en fait. Donc voilà, on a redémarré le jeu, c'est la deuxième fois. Deuxième fois là. Et du coup, voilà, j'espère que ça va fonctionner. Et voilà, on attend le chargement au calme. On attend le chargement au calme. D'ailleurs, j'augmente un petit peu la puissance de mon micro. On regarde si ça marche. Non. Ok, alors, what the fuck, ok, si c'est bon. Désolé, c'est ma faute. Ouais. Oui, nouveau DLC activé, 3 inclus. Alors, 3 chapitres inédits cinématiques et de l'émission, c'est ça qu'on fait. Des missions co-op élite spécialement conçues pour tester votre skill. Alors, les co-op, pour l'instant, il n'y a personne de connecté dans mes amis, parce que voilà, j'en ai pas beaucoup. Hein, on se rend palèque. Et un nouveau type d'IA équipé de matériel de pointe, le brouilleur. Alors ça, à mon avis, ça risque d'être un peu short. Bah, un peu short. Un peu chaud. J'ai vu quelques petits... Des trailers et tout, truc de dingue, truc de fou. Truc de folie. Et ça risque d'être un peu chaud. Et les nouvelles missions apparaîtront dans l'app DeadSec. Eh oui! Donc c'est ça tout à l'heure. Oh my... Non. Tu fais pas chier, tu ranges ton arme. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors, normalement, c'est du 60 FPS, mais à mon avis, vous les avez pas, les 60 FPS. Hein. Vous les avez pas. En tout cas, moi, je les ai pas, je suis à 29, 20, 31, 20, 32. Alors, c'est entre 20 et 30. Des fois, la caméra, elle s'en balèque, elle se coupe. Bah, elle se coupe. Elle freeze. Comme là, là, attends. Et on s... Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu qui pompe un... Qui pompe le CPU, qui pompe le graphique. Et j'ai plus de batterie dans ma manette, regardez. Eh oui. Heureusement que j'ai un câble de secours hein, de brancher. Allez. Voilà. Et donc du coup on va pouvoir jouer tranquillement. Bon alors, fini de parler, on fait l'émission. Oh, alors opération DLC, donc DLC à déverrouiller, DLC à déverrouiller. Ok. Déverrouiller l'opération, le monde est attaqué. Est à nous, membres de DLC, va vous contacter. Alors. Monde est à nous, je pense que je l'ai déjà fait. Alors normalement, voilà, le monde est à nous, donc easy ma gueule, hein, easy. Autre chose là-dedans, de l'opération nouille molle. Alors c'est fait aussi, hein, faut sûr. De toute façon, j'ai terminé tout le jeu. Sauf là les 3 missions. On attend. Et normalement, voilà, on attend quelqu'un. Il devrait nous contacter d'ici là. Enfin bref. Dégage. Allez, dégage. Allez. Ma bagnole. Voilà, voilà. Donc là, on attend quelqu'un qui va nous contacter. Et... Quand c'est un peu laggy, laggy. Thank you.
Ah, d'accord, ok. Alors, c'est un membre de DTSEC qui va vous contacter. Bah ouais, mais... Hey, yo, ah, voilà. Surtout, m'appelle plus jamais comme ça. Oh, allez, on peut décoller un peu quand même, non? Ok, alors si moi je suis Marky Mark, je peux t'appeler M. Poco Range? Bah ouais, si ça te fait plaisir, ma gueule. En tout cas, dépêche-toi de me rejoindre, sur le toit, immédiatement. Allez, go, let's go, putain, on est bien. Alors, c'est où, c'est quoi? Automate. Go! Son balèque! Alors, c'est vraiment très lalagance. Oh! Merci! Putain, on va prendre une moto parce que c'est bon quoi. On va prendre celle-là qui est là-bas, elle est belle. Elle est belle. Bien. Allez, dégage! Ah oui, le flou de mouvement! Le flou du mouvement. Les FPS qui tombent à 15 FPS. Yeah. Ah là là. C'est pas grave, je m'en bats les couilles. Hein. Je m'en bats les couilles d'FPS. Si ça vous plaît pas, vous pouvez pas regarder. Hein. Marcus, on vient d'avoir un charmant appel de Lenny. Lenny de Primate? Qu'est-ce qu'elle voulait? C'est encore une blague, c'est ça? Non, elle a besoin de notre aide. Mais elle l'a pas dit comme ça, évidemment. C'était plus du genre... Salut les bouffons! Vous voulez jouer dans la cour des grands? Vous dites oui, ou alors vous allez vous faire mettre par un facochier sous amphétamine! Bon, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais voir ce qu'elle veut. T'es un héros, mec. Je sais. Toi? Donc, chaque mission, on fera une vidéo, une rediff, il y aura une petite minute, ça me tourne. Il y aura une petite pause et tout. Entre chaque mission, bien sûr. Comme ça, je vais surcharger YouTube. Attends, non, c'est pas par là, c'est par là. Deux vidéos complètement inutiles à 15 FPS. Première fois sur YouTube qu'une vidéo est à 15 FPS. Alors, vous m'excuserez, hein. Vous pouvez faire des dons pour avoir un nouveau PC de stream. Ça m'intéresserait. Oh, je déconne. Mais voilà, je joue et je stream avec qu'un seul PC et c'est pas facile. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est très très image. Bah pour moi en tout cas. Ah bah voilà. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain. Oh, ça fait du bien. Démarre mission, let's go, c'est parti. Oh, ce truc. Ça fait longtemps quand même. Hey. Range, t'es où, mec? Yo! Attendez. Je vais remplir mon écran. Voilà. T'es en retard, Marky Mark. J'aime bien te taquiner. Attends. Tension sexuelle réprimée entre nous. Ah, je suis vexé. Je pensais que t'assumais pleinement notre relation. Marcus, j'ai un truc à te montrer. Un truc sur mon ordi. Tu croyais que je... Quoi? Ah, moi, non. Installe-toi. Et prépare-toi pour l'incroyable, la génialissime et surtout l'assommante présentation de Noodle. Vas-y, balance. Tout le monde nous dit que la voiture sans conducteur est une bonne idée. Mais chez Noodle, nous avons toujours essayé d'offrir ce qu'il y a de mieux. Que diriez-vous d'une voiture qui vous connaît, qui sait qui vous êtes? Découvrez un niveau de sécurité que seule la biométrie peut offrir. Vous êtes la clé.
matin, vous pouvez lire le journal et savourer votre café pendant qu'elle vous conduit au bureau. La voiture enregistrera vos préférences et les ajoutera à votre profil biométrique. Les personnes ayant souscrit au programme d'assurance CityOS bénéficieront de remises automatiques et auront accès aux voies rapides. C'est trop beau pour être vrai ? Détrompez-vous. Chez Noodle, nous n'attendons pas le futur. Nous le construisons. Donc ils veulent ajouter des données biométriques au système de surveillance du CityOS ? Yep. On se demande où est le problème, hein ? On sait tous que le CityOS a les meilleures intentions du monde. Oh, et les compagnies d'assurance ? Mais bien sûr que non ! Jamais elles n'oseraient utiliser ces données pour nuire aux citoyens. Quelle idée ! Ouais, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Pierre qui coule n'avale pas moule. Peut-être que... le noble justicier devrait intervenir. Mais oui. Et pourquoi pas voler une caisse cool par la même occasion ? Non, parce que j'adore voler les voitures. Ouais. C'est parti. Oh, c'est trop cool! Trop classe. Alors, vous avez vu quand même... Ah, hey, Marcus! Ouais, Citara. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que t'aimes toujours conduire. Apparemment, le chef ingénieur du projet de voiture biométrique est un utilisateur régulier de Driver SF. Ah ouais? Yep. Et il se pourrait bien que j'ai écrit un script pour rediriger ses requêtes vers toi en priorité. Nickel. On fait les choses bien chez DeadSec. Quand tu seras prêt, lance l'app Driver SF sur ton portable. Alors, comme vous avez pu voir, la cinématique était fluide à fond, hein. Et c'était dingue, c'était fou. C'était bon. Sélectionnez la mission Ingénieur Noodle dans l'app Driver SF. Alors, Driver SF... Ok. Obtenez ce véhicule. Vous pouvez aller juste en bas. Voilà. Alors doucement. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je n'avais pas terminé de parler. C'était super fluide, 60 fps, ce truc de malade. Et là, on revient à une. Comment dire, à des FPS très. Très saccadés, très dégueulasse. Ouais, ouais, c'est toi le malade. Rien à foutre. On y va à la gueule. Allez. Ah, alors si je tombe, c'est la mort assurée. Yeah. Nice. Oh yeah. Ok. Alors, on va se prendre l'ingénieur. Bon, j'imagine qu'il va falloir que je le convainque de nous amener à son bureau. Ouais, et on a déjà un plan. Un sacré plan, même. Ouais, t'es sur le coup aussi. Ouais, comme dit Rage, les vols de voiture, c'est toujours fun. Alors le plan, c'est qu'on pirate le téléphone du mec. Ouais, on déclenche toutes les alertes, histoire de lui faire croire que son ordi de travail s'est fait hacker. Du coup, il panique et il fonce à son taf. Mais en fait, on n'aura pas hacké son ordi, parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Exactement. On a juste besoin qu'il croie que c'est le cas. J'adore. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est le distraire, le temps qu'on accède à son téléphone. Oh, ça va être horrible. Faut pas que j'active le boost alors, je pense. Ok. Alors, je vous emmène où ? Un rancard, j'espère ? Ma copine m'a largué il y a 2 jours. Comment je vais le faire parler, lui ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai pas entendu. Ah, désolé, je suis un peu nerveux. C'est ma première course depuis un petit moment. J'ai dû faire un break suite à une mauvaise expérience. Ouais, j'imagine que vous devez voir toutes sortes de trucs dans ce boulot. Il s'est passé quoi ? Oh, vous avez pas idée. La dernière fois, c'était 2 mecs bourrés. Ouais, voilà. Ils arrêtaient pas de gueuler à propos d'une voiture conceptuelle sur laquelle ils bossaient, en fait. Ah, pour le festival dans le désert, là.
Ouais. Alors ces deux-là, ils parlaient de LED, d'animatronique, de sable et aussi des types de drogues que les gens devaient prendre pour apprécier leur création. Sérieux? Ils parlaient des drogues que les gens allaient prendre? Mais genre pour adapter l'expérience en fonction du type d'hallucination? Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et à un moment, il y a un mec qui met une grosse droite dans la gueule à l'autre. Quoi? Alors là, le type, il se met à pisser le sang pendant que son copain, il queen comme quoi il s'est pété une phalange. Ah ouais? Ouais, c'est dingue, hein? Du coup, il a fallu que je les emmène à l'hosto. Et vous savez ce qui s'est passé après? Non. Quand on est arrivés, tous les deux, ils voulaient me faire un câlin. Waouh! Oh, désolé, mon alarme vient de sonner. Il faut que je regarde un truc. Eh merde! Merde, merde, merde! Écoutez, on va devoir changer de route. Je suis désolé, mais il faut que j'aille à mon travail. Pas de soucis. J'ai changé la destination dans l'appli. J'ai vu. On y sera dans pas longtemps. Voilà, là, faut que j'active le boost. Là, c'est parti, on va fond. Merde! Il y a une brèche de sécurité. Putain, il fallait que ça arrive quand je suis pas au bureau. Ouais, ouais. Voilà, ça lag! J'y crois pas que ça arrive maintenant. On a des deadlines. On peut pas prendre de retard. Merde! Ah, c'est pas cool, ça. Oh, y'a chrono, hein! Mais quel projet de merde! Pourquoi j'ai... Faites attention! Oui, oui, t'inquiète! Ça va aller! Et qu'est-ce que je disais, déjà? Ah oui. Vous pourriez aller plus vite. Ok, ok. C'est chier! Oh là, ça lag! J'aime pas trop quand ça lag! Ah, 1 minute 13, là, pour 350 mètres, bon. Je fais ce que je peux. Je suis vraiment à la bourre. C'est pas grave si vous roulez vite. Accélérez, s'il vous plaît. Oui, t'inquiète, on est à 150 mètres, c'est bon. Et j'espère que c'est bon, le truc, là. C'est bon, j'y suis presque. Voilà, j'espère que c'est bon. Oh, what the fuck. Super, vous me sauvez la vie. Pour la peine, je vous mettrai 5 étoiles sur l'app. Pas de problème. C'est mon taf, après tout. Oh, putain. Et là, le meilleur. Échec. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ok, alors mission accomplie. D'accord. Est-ce qu'il y en a un autre là? Et nous voici chez Kodaprint. Ok. Oh, jolie bagnole. Allez, on démarre la mission. Mais... C'est parti. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Télécharger les... Allez, au boulot. J'ai toujours cru en toi. Quoi, et nous, on croit pas en lui, peut-être? Ouais, moi aussi, je crois trop en Marcus. Marcus, je crois en toi. Wow, les gars, vous allez me faire pleurer. Ça veut dire tellement pour moi. Eh oh, les gars, je sous-entendais rien de particulier. Vous êtes vraiment des gamins, c'est pas possible. Arrête de mentir, tu nous kiffes trop. Josh et Marcus, à la rigueur. Mais non, c'est encore un peu tôt dans notre relation pour parler d'amour. Allez, prends ton temps, va. J'apprécie les hommes qui savent se montrer patients. Bon, moi aussi je suis patient, mais j'ai du boulot. Putain, il y a une zone brouillée. Fuck. Alors, comment je vais pouvoir faire, moi? Ah oui, ok, c'est cool. Wow! Mister Gaming en 7, 2 euros. Salut Sky, comment vas-tu? Merci Mister Gaming pour les dons de 2 euros. Écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Merci à toi Mister Gaming pour le petit don de 2 euros. Ça fait vraiment énormément plaisir. Écoute, je vais très bien. Mister Gaming en 7. Je vais énormément bien. L'autre fois, c'est l'émission digne de ce nom. La nouvelle mission de Watch Dogs 2. Et ça fait plaisir. J'exécute mes tâches de routine. Voilà, voilà.
Bonjour, je poursuis ma patrouille. Là, on a la clé, c'est good. Mes systèmes sont opérationnels. Ok, ok. J'espère que tu vas bien, mec. Tous les systèmes sont opérationnels. Décharger les plans de la bagnole. Ah, ils sont là-bas. Caméra. Ok. Salutations. Allez, il faut interagir là-bas. Oh, what the fuck. RAS est en ordre. Faut juste que je trouve un moyen. Oh là non, je suis un peu trop loin. Rien à signaler. Tous les systèmes sont opérationnels. Bonjour. Je poursuis ma patrouille. Ah oui! Oh oui! Le Samsung! RAS. Salutations, camarades de la sécurité. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Salutations, camarades de la sécurité. Je poursuis ma patrouille. Statut RAS. Balayage du secteur terminé. Franchement. Tous les systèmes sont opérationnels. Mode initialisé, secteur terminé. Prends-moi, vite. Bouge ton groupe. Je vais tousser les deux enfants. Qui veut tester une vraie contrôlée? Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Oh, c'est chaud. On va se voir un petit coop après. Bah écoute, si tu veux, ouais, pour tester. Y'a aucun problème. Je l'ai trouvé, les gars. Oh, ok, super. Il devrait y avoir toutes les infos dont on a besoin. Bientôt, mes amis, nous serons les heureux propriétaires d'une noodle car. Ah putain, arrête, t'es fou. Oh là, ça va être ouf. Rendez-vous à la position d'alerte. Alerte à toutes les unités. Risque inférieur. Alerte maintenue. Séquence log-mode initialisée. Retour à couvert. Ah oui. Oh non. Oh, je vais mourir. Il tire de où là? Il tire de où ce bâtard? Oh non, je vais mourir. Ah là, putain. Ah, je vais mourir. Viens, va. Allez, là, cours. Allez, cours, 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 cours. Oh non. Oh, what the fuck, j'étais trop bien, là. J'étais trop bien, mais... Je sais pas, j'étais trop bien caché. Mais je me faisais tirer... N'importe où. Ah, désolé. Allez, au boulot. J'ai toujours cru en toi. Quoi, et nous, on croit pas en lui, peut-être? Ouais, moi aussi, je crois trop en Marcus. Marcus, je crois en toi. Wow, les gars, vous allez me faire pleurer. Ça veut dire tellement pour moi. Eh, oh, les gars, je sous-entendais rien de particulier. Vous êtes vraiment des gamins, c'est pas possible. Arrête de mentir, tu nous kiffes trop. Josh et Marcus, à la rigueur. Mais non, c'est encore un peu tôt dans notre relation pour parler d'amour. Allez, prends ton temps, va. J'apprécie les hommes qui savent se montrer patients. Bon, moi aussi je suis patient, mais j'ai du boulot. Alors là, mon gars, on va recommencer là, ça va être horrible. Je l'ai trouvé, les gars. Ok, super. Il devrait y avoir toutes les infos dont on a besoin. Bientôt, mes amis, nous serons les heureux propriétaires d'une noodle car. Retrouvez-le. Bizarre. Le logiciel
matériaux non certifiés de système. Les installations. Retour au réglage d'usine. Les installations du programme de restauration de la sauvegarde. Fouillez toute la zone. Oh mon dieu! Confirmation de la cible. Ça va pas. On va le retrouver, allez! Un intrus! Allez, cours! Cible potentielle près de votre position. À vous. Oh non! C'est pas vrai! Ah putain, faut que je les bute tous! Faut que je les bute tous! Mais j'étais trop bien caché, là, il y a un moment, il m'a vu et putain. C'est pas grave, on recommence. Allez, au boulot! J'ai toujours cru en toi. Quoi, et nous, on croit pas en lui peut-être? Putain, ouais! Je comprends pas. Moi aussi, je crois trop en Marcus. Marcus, je crois en toi. Wow, les gars! Vous allez me faire pleurer! Ça veut dire tellement pour moi! Eh oh, les gars, je sous-entendais rien de particulier. Vous êtes vraiment des gamins, c'est pas possible. Arrête de mentir, tu nous kiffes trop! Josh et Marcus, à la rigueur. Mais non. C'est encore un peu tôt dans notre relation pour parler d'amour. Allez, prends ton temps, va. J'apprécie les hommes qui savent se montrer patients. Bon, moi aussi je suis patient, mais j'ai du boulot. Bien. Ok, là on a la clé. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Ah, d'accord, ok, donc ça, il y avait des petits bugs. C'est soit c'était ouvert, soit c'est, ça n'était pas. Oh, il y a 5-6 personnes là. Oh là là. Donc là, on attend. Hein. On attend. Putain. Vous surveillez. J'ai perdu. Non. C'est ça qu'il faut que je prenne. Oh merde. What the fuck, j'ai piraté le drogue. Ah, c'est bugué, hein. Il y a des trucs qui sont buggés. Attention, camarades de la sécurité. Il y a des trucs qui sont buggés. On pouvait passer par là, et là, puis maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Statut RAS. J'exécute des tâches de routine. Là, toi, c'est bien. Bonjour, je poursuis ma patrouille. Alors toi tu vas mourir mon gars. Oh oui. Signaler.
on prend notre temps. On va foutre la merde. À toutes les unités, le site US a identifié un suspect de trafic humain près de votre position. Ah oui, c'est le brouilleur. Oh putain, j'avais complètement oublié que c'était le brouilleur et tout. Putain. Ah voilà, est-ce qu'il y a le brouilleur à côté? Putain, je... Voilà, c'est ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire depuis le début. Le brouilleur est brouillé. Il reviendra pas de sitôt. Oh, j'ai envie. Là, on fout la merde totale! Remissaire Gaming! Ouais, je suis un peu à fond dans le game. Si on foutait la merde là-dedans, là. Oui! Pour lui! Oui! Lui! Oh! Boum! Oh le flic! Rip! Allez, on fout la merde! Va régler ça vite fait! Oh oui, ça fait mal. On signale la présence d'un suspect dans votre secteur. Centrale, on a un criminel armé ici. Et... Mais d'où je me fais viser là? Centrale, je ne dirai rien. Un suspect inconnu est en fuite. Localisez-le et faites votre rapport. Terminé. Le suspect a renversé des piétons. Demandons secours d'urgence. Écoute-moi, on n'a rien. Attention, reprise d'une activité de... Mais what? Mais what? Mais d'où il spawn lui? Oh là là! Putain, faut que... Putain. Faut que je fous la merde, faut que je fous la merde là-dedans. Allez, au boulot! J'ai toujours cru en toi. Quoi, et nous, on croit pas en lui peut-être? Ouais, moi aussi je crois trop en Marcus. Marcus, je crois en toi. Wow, les gars! Vous allez me faire pleurer! Ça veut dire tellement pour moi!
Eh oh, les gars, je sous-entendais rien de particulier. Vous êtes vraiment des gamins, c'est pas possible. Arrête de mentir, tu nous kiffes trop. Josh et Marcus, à la rigueur. Allez, on se concentre là. C'est encore un peu tôt dans notre relation pour parler d'amour. Allez, prends ton temps, va. J'apprécie les hommes qui savent se montrer patients. Bon, moi aussi je suis patient, mais j'ai du boulot. Ah, dégage! Statue RAS. Allez, monte! Monte, 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 monte! Sécurité mobilisée. Oh non, ils viennent tous ici. Ils viennent tous là, quoi. Sécurité. Fais chier, sergent, je t'ai perdu. Séquence Lovebot initialisée. Oh, j'ai les disques durs. Prends le torche mécanique dans tes bras. Qui vont tester une vraie rencontre. Séquence Lovebot initialisée. Qui vont tester une vraie rencontre. Dégagé. Ça a fait un indépendant. Qui vont tester une vraie rencontre. Les autres vont mourir. Ils sont trop tués, ce truc de malade. C'est lui qui faut. Je l'avais. Mais d'où il sort celui-là ? Faut foutre la merde là ! Thank you.
Ah, comment ils peuvent me tirer dessus alors que j'étais bien protégé. J'ai une idée. Allez, on recommence. Allez! Je l'ai trouvé, les gars. Ok, super. Il devrait y avoir toutes les infos dont on a besoin. Bientôt, mes amis, nous serons les heureux propriétaires d'une noodle car. Oh putain, c'est horrible! Je suis en train de suer à mort! Je suis tellement stress! Je suis en stress total! Fais qu'aggraver les choses! Je veux que tu te charges de ça personnellement, mon frère. Ce sont des données. Oh! Je suis en fuite, ils peuvent pas me voir. Je suis encore en fuite! Objectif atteint. Quitter la zone. Ah ouais, mais. Pas des... Ouais, de l'argent, ok. Putain, allez. Josh a trouvé quelque chose d'intéressant dans les algorithmes de la bagnole. Ben, ils ont mis un algorithme de prise de décision. Ils appellent ça Life Score. Life Score, putain, les enfoirés. Life quoi? C'est une méthode qui permet de décider quelles vies sont privilégiées en cas d'accident. Ouais? Ouais. Et je crois que tu vas aimer. L'ordinateur de bord de la voiture accède directement aux bases de données de Bloom. Et il calcule un score en fonction de paramètres fixés par Bloom. Profession, revenu, éducation, groupe ethnique, sexe... Putain! Donc si moi et Ray on a un accident, chacun dans une voiture, c'est moi qui l'ai dans le cul vu que je suis un Renault quoi. Bah non, je suis persona non grata chez Bloom. Du coup mon life score est ultra bas. Donc dans ton exemple, c'est moi qui ai pas de bol. Ouais, ouais. Mais sinon, ouais, bah tu vois comment ça marche. Oh là là, 28 followers en plus, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh. Apparemment, il nous faut un enregistrement vocal et un scan rétinien du mec de la keynote pour déverrouiller la voiture. Ok, je m'en occupe. C'est parti, je t'envoie son adresse. Est-ce que... c'est une autre mission? Ouais, c'est... Encore dernière mission. Let's go. Je crois que c'est la dernière mission. Dernier objectif de la mission. Let's go! Eh, c'est pas facile, hein. 3 ou 4 fois, on refait le truc, là. Les nouveaux personnages, là, les genres de... Les nouveaux personnages de protection, là. Ils sont méchants, là, hein, putain. Oh.
dans le bain et tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a Arctic qui vient de rejoindre la... Puis oui, j'ai mis ma petite caméra, une petite caméra. Vous voyez correctement le gameplay. San Francisco. Oh yeah. Je pense qu'après cet objectif, on va faire une petite pause le temps que j'aille chercher un truc à manger. J'ai un peu la dalle. Un petit peu aussi. Voilà, ça va, ça va. Ah, il y a un joueur à côté de moi, j'ai vu. Je sais pas qui c'est, mais il était vert. Ah, c'était Borak. D'accord, ok. OSEF. Oh, le dernier objectif! C'est parti! Alors, transférer le malware sur le laptop du VP. Y a pas de raison de stresser pour un rendez-vous avec une nana rencontrée sur Internet. Plein de monde le fait. Et si elle ressemble pas à sa photo? Et si elle trouve que je ressemble pas à la mienne? Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi j'ai dit à Yonatan que je le ferais? Si! C'est vrai que j'ai pas le temps de sortir, mais. Ah oh, putain! Et si elle bosse chez Noodle? D'après son profil, elle est ingénieure. Je peux pas sortir avec une employée. Quel cauchemar! Et merde, le serveur est HS. Quelqu'un a encore rentré du code pourri. Putain! Oh, ça va être horrible. J'ai vu, j'arrive. Je serai là dans 10 minutes. Oh, mon dieu. Ça y est. Magnifique. Alors, t'as kiffé de plonger dans ces beaux yeux bruns? Non, mais merci de m'y faire penser pour la prochaine fois. Pff, Marcus a meilleur goût que ça. What? God. What? Obtenir les gens. Ouh, il y a une belle baraque en tout cas. Normal. Oublie pas que c'est une priorité 1. Ouais, je sais. C'est un truc de fou! Smart TV, smart toilette, smart évier, smart moquette, smart coussin, smart... Et tout est smart ici! Il y a forcément son empreinte vocale quelque part. J'ai l'impression que c'est le genre de gars qui adore entendre le son de sa propre voix. Oh my fucking god. On peut aller au centre. Parce que c'est pas recherché au centre. De toute façon, c'est tout, tout est ici. Je vais descendre, enfoiré! Oh, what the fuck? Balayage du scooter terminé. Tout est dans le sous-sol, hein. Oh my! Ah, on fout la merde comme d'hab. Quoi, je suis dans une zone restreinte, n'importe quoi. Et toi aussi. Et je te prends un peu de. Hé! Hey, il paraît qu'il y a des enfoirés qui se tapent un pouce chez nous! Ramène-toi! Putain, 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 non, 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 non
énormément plein. Ils sont des milliers. C'était quoi ça? C'est pas vrai. Comment j'ai pu le perdre? Ils sont des milliers. J'envoie des renforts pour le buter. Pas de soucis. Où est-ce que tu te caches? Fouillez toute la zone. Le nettoyeur est en route. Il va s'en charger. Bah ouais, mais moi je... Hey, yo, bah voilà. J'ai la cible devant moi. Eh, hey, tu veux vraiment... Putain, je m'en prends plein la gueule. Ils sont deux. Ah oui. Il y a un traître dans nos rangs. Tu sais quoi faire? Ah oui, les chiens. Boum. Oh non, putain, fais chier. Séparez-vous et trouvez-le. C'était quoi ça? Demi-tour, partez, aucun civil. Le voilà! Putain, je vais à couvert! Je me mets à l'abri! On n'est pas obligé d'en arriver là! Barrez-vous là! Qu'est-ce que vous faites? Retrouvez-le! Demi-tour! Tenez-vous prêt. On vous signale une cible déjà identifiée près de votre position. À vous. Rien à branler. Rien à foutre. Bon les gars, j'ai l'empreinte vocale, le scan rétinien et plus d'infos sur sa vie privée que j'aimerais en avoir. Reste plus qu'à trouver la voiture. Et pour ça, va falloir s'introduire dans les locaux de WKZ, c'est là que va avoir lieu la présentation officielle par Google. WKZ, les pros du foutage de gueule.
Sauf que leur publi-reportage sur la Noodle Car va se transformer en un joli petit exposé sur leur façon de dévaloriser la vie humaine. On va l'intercepter. Allez! Mais what? Allez, on se bouge. Attention, on se bouge! La patrouille s'approche de la position du suspect. Elle est où la bagnole? Elle était où la voiture? Putain. Central, on fait demi-tour. On va voir si on peut le repérer. Putain, on avait une voiture tout à l'heure. Elle a disparu. Super. Bon! Mais non, tu me vois pas là! À terre! À terre! Ah, prends une voiture, prends une bagnole. Random, random! Je couche avec lui, ok? Papa là, papa là, papa par là. Le suspect est pas loin. On va le faire sortir de son trou. À toutes les unités, le suspect est toujours dans le coin. Alors on retourne. Une voiture de patrouille se dirige vers la position du suspect. Mais non, vous me voyez pas. Impossible, vous ne voyez pas. Voilà, mission bon. Super. Mission accomplie. Bien quoi? On a une voiture à voler, mon pote. Elle est sur un des plateaux de tournage de WKZ. Toute belle et toute bronzée, et elle attend plus que nous. De la bombe. Ouais, j'ai toujours rêvé de m'amuser dans les locaux d'une chaîne de télé. Messieurs, je pense que c'est ce qu'on peut appeler une occasion rêvée. Il est temps d'installer des dispositifs de collecte d'informations chez nos chers amis de WKZ. Ouais, histoire de rester informés. Exactement. Du coup, il nous faut du matériel de surveillance et des logiciels. Je te retrouve près de WKZ avec le matos. Nickel, à tout à l'heure. Nouvelle mission disponible. On va la faire tout de suite. Il faut aller là-bas. Un petit point sur la map. Let's go. On a la voiture à pécho. Ok. 2500 mètres. Ça va. On n'a pas une voiture digne de ce nom, mais ça roule. Voiture à pécho là, en mode gros bourrin. C'est ça qui est. Je pense que à la fin de cette mission, on fait la pause même si on est où.
que d'autres. Il y aura des parties. Voilà. Il y aura plusieurs parties, hein, bonus. Ne vous inquiétez pas, tout est bien. Allez, à fond! Ah, la voiture de WKZ. Démarrer la mission, c'est parti. Allez. Plus vite. C'est mal le fion. Yo, Range. Tada. Mate-moi ça. Ils doivent les utiliser pour leurs opérations d'infiltration à la con. Pas d'ennui avec la camionnette? Non. Mais WKZ a engagé Human Eye Zulu pour renforcer la sécurité après toutes les menaces que j'ai... Enfin, qu'ils ont reçues. Je peux? Dites-moi, ça fait longtemps que vous aimez caresser les enfants. Vas-y, dis pas des trucs comme ça. Quand vous avez vu les radios, vous avez tout de suite reconnu la figurine logée dans votre rectum? Ouais, c'était celle de Wrench. Je pensais que c'était le meilleur endroit pour la planquer. Wrench? T'as donné la clé USB à Marcus? Ouais, c'est déjà fait. Ouais, j'étais en train de lui dire qu'il fallait qu'il la branche sur un ordi de la sécurité. Et après, je m'occupe de la suite. Au fait, si un jour on la fabrique ta figurine, ils ont intérêt à bien coller le masque, histoire de pas traumatiser les gosses. Me faut les traumatiser, les gosses. Ça va être horrible. Oh non! Ok, alors installer le micro, mettre un spyware dans leur système et voler une super bagnole à l'aide des données biométriques récupérées dans le VP de Noodle. J'oublie rien? Deux ou trois trucs, mais t'inquiète, je gère. Comment je vais faire ça, moi? Comment je vais faire ça, hein? Oh my... Eh ben on fait à l'ancienne, hein. Hey, faut se bouger! Y'a des guignols qui ont besoin d'une petite leçon! Oh là! Y'a des guignols à leçon et tout! Wesh! Ouais, faut qu'on peut faire le tour! Ah oui, ils arrivent! Oh, oh, ils arrivent! Mais putain, qu'est-ce que tu fous? Oh! Oh, ils ont. Ah oui, il y a une entrée par là. Bon, faut rappeler. C'est pas grave, on va tous les buter. Attention. Ah, déjà, ça c'est fait. Et respire, c'est pas grave. Faut aller là-haut là. Y a pas. Ah non, il y a une clé là. Attends, comment il faut aller pour aller là-haut là? Là, putain, je fais ça en mode. Et toi, rien à foutre! Qu'est-ce que tu fais là? Ta gueule! On a un intrus! Et voilà! Ferme-la! Ferme-la!
maintenant il faut aller là-haut quoi. C'est bon. Mais non, c'est en bas. Mais what? Ah non, je vois plus rien. Je suis en fuite, y'a plus personne. Je fais ça comme un professionnel. Putain, c'est ouf. Foutre la merde. C'est ma raison numéro 1. Et rentrer comme un barjou. Oh. Bien sûr. Nice. Micro en place. Oh oui. La bagnole. Allez plus vite. Oh cette bagnole, elle est trop belle. Ouvrir, voiture. Attention, magie. Jackpot. Putain, merde, la voiture répond pas. Attends, qui, quoi? Wrench, j'ai besoin de toi. J'essaie de tourner le volant, mais y'a rien qui se passe. Comment je suis censé la conduire, cette chiotte? Ah ouais, ouais, elle doit être à commande vocale. Essaie de lui parler. Lui parler? Tu te fous de ma gueule? Non. Vas-y, parle-lui. Bouge. Voiture, conduis. Oh, le poulet. Quitte l'immeuble, sortie la plus proche. Conduis. Putain, pas à travers la baie vitrée. Moi, je la faisais mieux l'avoir robotisée. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais trop fake. Mais ouais, tu faisais ça mieux. Oh putain de Oh what the fuck. On est juste derrière lui. Présence potentielle d'un criminel près de votre position, à vous. Sors-moi de là, bordel. Affirmatif. Ah oui. C'est pas moi qui conduis. Affirmatif. Et sans me tuer, hein. Tous les protocoles de sécurité seront respectés. Ouais, bah c'est ça qui me fait peur. Comment je fais pour repasser en commande manuelle? Je ne comprends pas la question. Agent blessé! Envoyez les secours d'urgence, vite! Oh! Centrale, on a perdu le suspect, on commence les recherches. Elle a pris cher la bagnole. Oh, Central, on fait demi-tour. Voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. T'as des flics au cul, Marcus. Je sais, y'a pas moyen d'utiliser ce putain de volant. T'as demandé à la bagnole de te filer les commandes? Mais ouais! Elle dit qu'elle comprend pas la question. Eh bah, essaie de contourner le pilote automatique alors. T'es un hacker ou pas? Ouais! Ok, faut que j'y arrive avant de me faire descendre. Bah ouais, mais... Mais ferme ta gueule, toi! Oh là là, t'es sérieux, mec? T'es sérieux? Ah bah oui, mais... Ah, je savais pas, moi, je voyais rien du tout! Il met trop de temps, je me fais déglinguer de partout. Bon, c'est pas grave. En plus, la voiture, elle bouge, donc c'est chaud. Attention, un dangereux criminel a été aperçu près de votre... Sors-moi de là, bordel! Affirmatif. Et sans me tuer, hein! Les protocoles de sécurité seront respectés. Ouais, bah c'est ça qui me fait peur. Comment je fais pour repasser en commande manuelle? Je ne comprends pas la question. Il a renversé un bâton. Allez, caméra. Le suspect nous a semé. On va le retrouver.
Ah mais... Je suis en train de me faire déglinguer là. Bon attends, est-ce qu'on peut pas tirer là? Je pense qu'on va tirer en mode... Je m'en bats les couilles. Marcus. Je sais, y a pas moyen d'utiliser ce putain de volant. T'as demandé à la bagnole de te filer les commandes? Mais ouais! Elle dit qu'elle comprend pas la question. Eh bah essaie de contourner le pilote automatique alors. T'es un hacker ou pas? Ouais! Ok, faut que j'y arrive avant de me faire descendre. Vous faire tirer dessus est déconseillé et fera augmenter votre prime d'assurance. Mais ferme ta gueule toi! Oh putain! Mais je me fais tirer dessus là! Ah voilà. C'est bon, putain, ça y est, je suis en commande manuelle. Celle de la voiture? Ah, génial. Par contre, me demande pas ce que j'ai dû faire pour y arriver. Enfin. Allez, je peux reprendre mon souffle. Oh, les life scores! Ah ouais, les life scores. Il fallait qu'on regarde les life scores des gens. Oh, ça devrait être marrant. Ah bah oui, c'est sûr. On pourrait faire des recherches, pardon. Oh, ce serait moins fun. Il y aurait moins de preuves utilisables. Ah, ouais, c'est vrai. Normalement, tu devrais voir les life scores des gens que tu hacks. Leurs profils n'auront pas la même granularité que dans les données directes, mais ils devraient indiquer si la priorité est élevée, moyenne ou basse. Oh. Ah. Google présente la voiture sans conducteur, connectée à vos données biométriques. Ils vous promettent fiabilité et sécurité en échange de vos données biométriques. Grâce au CityOS, ils savent absolument tout sur vous. Et cela pourrait vous être fatal. La voiture de Noodle utilise un algorithme combinant vos données biométriques et la valeur de votre vie. Si elle doit choisir entre votre sécurité et celle d'un autre, la personne avec le life score le plus élevé vivra, l'autre mourra. Cette voiture n'hésitera pas un seul instant à vous tuer pour sauver quelqu'un de plus important. Vous ne connaissez pas la valeur de votre vie. Mais Noodle prétend le savoir. Alors que valez-vous? DeadSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que tu foutais pendant que je me cassais le poule dans cette bagnole de merde? Des... trucs. Ça va mes cheveux? Lynn, tu me passes ton peigne? Non? Bah va chier alors. Oh non! C'est l'heure de l'anticyclone! Tu la sens? Tu la sens ma grosse dépression? Et depuis quand jouez-vous la comédie? Ah, je dirais un an ou peut-être 30. Mais nous jouons tous la comédie sur cette grande scène qu'est la vie. Et blanc! Forte précipitation! Sur ta gueule! Il pleut du boucaquet dans ta maison et sur ta fosse! Jimmy, bon sang, bonsoir, où est mon téléprompteur? Comment voulez-vous que je me souvienne de tout ça, moi? Il faut tout me réécrire, bordel! Wouhou! Une vie bien notée, succès débloqué. Bon, bah c'est bien. Ah là, la fin de Wrench, mémorable. Bon, alors, est-ce qu'on a fini ça? Je pense qu'on a fini ça. Et bah voilà. Donc bah voilà. Voilà la VOD YouTube. C'est fini pour ce soir. Ah, pour ce soir. Pour cette mission. Et bah n'hésitez pas à regarder les autres qui vont arriver sûrement. Les autres épisodes. Donc pour nous, le live, et bah on va faire une petite pause. On va mettre... une petite pause, accueil. Et voilà, donc la VOD de cet épisode se termine là pour YouTube, bien sûr, je dis pour le live, pour ceux qui regardent le live. Et ben ça veut dire juste après la petite pause de 5 minutes. Et puis, à tout de suite. À tout de suite. Allez.